Alors oui, vous reconnaissez, on a changé un peu de décor depuis ce matin. On était, euh, bah, certainement dire, dans la référence, mais il y a eu bataille ce matin. On parlait de, de, des régions viticoles encore. Ça a commencé sur euh, ces patrimoines, la plus belle des régions. Et d'autres certains disaient c'est Sartenay. On se retrouve euh, sur notre live Facebook. N'hésitez pas. On a des professionnels avec nous si vous avez plein de questions à leur poser sur le vin, sur les AOP, les AOC, les techniques et surtout sur l'œnologie en l'occurrence, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, on a un professionnel, on a Miguel Michel Guanin qui oui, est oui, ton oui. Ah, ton titre exact c'est œnologue conseil à la chambre Cultures. Unologue on on un euh, conseil à la chambre d'agriculture de Corse. Haute Corse. Haute -Corse. Euh, en gros, pour faire simple, je suis euh, soit je suis en transition, soit je suis en installation, soit je suis vigneron et j'ai besoin qu'on me conseille un peu, même si j'ai un un oenologue à demeure. Je t'appelle, tu viens et je viens. On détermine ensemble euh, ben, ce qu'on a à faire, c'est-à-dire euh, la démarche qui a, la démarche que tu veux mettre en place le style de vin que tu veux faire, et après d'ailleurs, on termine un protocole ensemble, et on l'applique, ou je viens en conseil, on peut plus en soutien un de ou si tu veux, on peut faire de A à Z, c'est-à-dire carrément du raisin jusqu'à la bouteille à travailler ensemble, on peut faire ce qu'on veut, je peux venir ponctuellement pour te conseiller. moi je suis un peu néophyte, même si j'aime bien aussi le vin, toujours avec modération, le no qu'est-ce qu'il fait Normalement, c'est dans la cave, c'est plus dans la cave, logiquement. Le avant tout, c'est un biologiste et un chimiste. La fabriosité chimiste. Donc, le c'est vrai que le corps du métier, c'est la vinification. C'est vraiment de, de rentrer du raisin jusqu'à la, jusqu la mise en bouteille. Donc, c'est la vinification, l'élaboration, l'élevage et la mise en bouteille. L'onologue, il peut aussi intervenir aussi de la plantation jusqu'à la bouteille, parce qu'on ne sait pas bah, forcément bah, quel, quel cépage sur tel, tel sol pour avoir tel produit final. Parce qu'avant que le vin n'arrive en cave, ben, il est dans les vignes et, et c'est là que le processus commence et c'est avec, euh, avec ça que tu vas faire ton travail. C'est 80% du, du, euh, du, du, du produit final. Nos amis internautes sont avec nous. Je vous le rappelle, on est avec Michel, il est oenologue conseiller à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. On est chez un viticulteur, on va en parler tout à l'heure. Et si vous avez des questions à poser sur cette semaine. Euh, ou sur ce thème en particulier, n'hésitez pas, on fait bonjour à la scène, on fait bonjour à Angélique, Angie, à Renato qui nous embrasse, bonjour, c'est très sympa de vous revoir, merci Joseph Thomas, Chris Roux nous fait des cœurs, ben on t'en <laughs> fait aussi, Marie-Laure, Marie-Laure Bénisse qui nous fait un petit truc comme ça avec le pouce, dont Marc aussi, Elvin Gil qui nous fait plein de cœurs, Pierrette, euh, qui nous embrasse, Delphine qui nous dit que Calvi, tu me manques, fait encore super beau là-bas. Alors comment te dire Delphine, aujourd'hui Super beau, super chaud, euh, ah oui, super, super chaud. agréable. On va parler de, de la problématique des, des températures et, euh, et de l'impact, bien entendu, sur les vignes. Euh, Miguel Bogos, Cyril <laughs> Junting, ça te parle Un petit peu, c'est mon chef de service. Voilà, le chef de service, <laughs> ce qui est sympathique, qui dit que Miguel Bogos, mais il n'a pas que cette qualité. Bonjour vous n'avez pas trop souffert du mildiou. Alors, on va en parler, bien entendu. Le mildiou dans les vignes, c'est. On rejoint la problématique des, des intempéries. Hein. Fred nous embrasse, Frédéric nous embrasse et Anna. Nous embrasse. Du, depuis trois ans, on parle de, de météo. Depuis trois ans, euh, ça a été compliqué en Balagne, euh, particulièrement la sécheresse. Ça a été compliqué l'an dernier, oui. Enfin, depuis trois ans et l'an dernier, ça a été le point d'orgue. Ça a été terrible. l'année c'est terrible avec euh, de sacrée baisse de, de récolte. Ouais, on a une production qui est énormément diminuée. On continue de, de se balader. Et, et puis, euh, du coup, donc cette année, c'est bien. On a eu un peu d'eau. Et puis, on a eu beaucoup d'eau. Et puis, on a eu, eu... énormément d'eau. Et du coup, on parle des maladies. Si. Heureusement, le mois d'août nous a sauvés parce qu'il a été plus sec. Mais l'eau, c'est pas que bon parce que parce que c'est les champignons. L'eau, ça dépend à quelle période elle arrive. C'est toujours pareil. L'eau euh, au printemps, ce n'est pas forcément euh, bénéfique pour, pour, la, pour le végétal. Il y a beaucoup de, de développement de maladies, type mildiou, mildiou sur feuille, midiou sur grappe. Et on a des, des problèmes après au niveau des, des raisins, de qualité des raisins. Voilà. On va quitter le sillon. On parle de cette vigne. Elle est. Euh, elle n'est pas encore vendangée. Elle date de 1972. Tout à fait. J'ai remarqué. Bon, on, on va vous expliquer pourquoi je le sais. C'est tout simplement parce que j'ai rencontré Marc tout à l'heure. On, on va en parler. Nous sommes au clos Landry et le clos Landry aujourd'hui c'est Marc avec Cathy qui, qui passe petit à petit la main. On, on, on va les, les rencontrer. Il est c Alors ça, vous pouvez pas savoir ce que ça veut dire parce que.